Salut, quoi de neuf? Eh bien, étant donné que tu es privée de sortie, je t'ai apporté une petite surprise. Ça vient de chez Yabon Yaourt? Waouh, génial! Fraises brownies! Merci Charlotte, de rien. Alors, c'est quoi les news du travail? Rien de spécial. Je m'occupe des emails de Rem. Je fais des recherches sur quelques criminels. Oh! Et je suis allée en patrouille avec Ray. En quoi? En patrouille. Oui, tu sais, parfois Ray survole la ville en mancoptère pour voir si tout va bien. T'es montée avec Ray dans le mancoptère? Oui. Mais c'est mon boulot, ça! Je sais, je suis Kid Danger. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Waouh! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais jamais cru que t'essaierais de prendre mon job! Wow, du calme, monsieur Grignotage. C'est Ray qui m'a demandé de venir avec lui en patrouille. Et franchement, tu crois que j'essaierais de te voler ta place de Kid Danger? Non, t'as raison. Tu me rassures. Je peux pas être remplacée par une fille. L'éleveur se comporte comme un vrai sagouin avec ses bêtes. Je vais l'emmener directement en prison pour qu'il ne leur fasse plus de tour de cochon. Je viens avec toi. Non, Charlotte, ce n'est pas une patrouille de routine. Il s'agit d'un criminel et ça peut être dangereux. J'ai bien compris. Laisse-moi juste remplacer ton acolyte. Tu ne peux pas être mon acolyte, tu es une... Vas-y, je suis quoi? Tu es celle qui vient avec moi. Bon, Schwoz, donne-moi les chewing-gums de secours d'Henry. C'est bon, on y va. Dépêchons-nous! Attends-moi! Aspiration dure! À partir de maintenant, si vous arrivez à passer une journée entière sans vous disputer, vous serez déprivé de sortie. Une seule journée? Une journée entière? C'est ça, oui. Mais si jamais vous vous battez ou alors vous vous chamaillez, vous serez privé de sortie pendant un mois. Et boum! Ça te dit de monter dans ma chambre voir le film avec moi? Je sens qu'on va bien s'éclater, alors je vais pas refuser. Tiens, donne-moi la main, sœurette, comme ça tu risques pas de faire une chute. Merci! Tu es le frère le plus gentil de la Terre. Oh, mais c'est avec plaisir, tu es tellement gentil, toi aussi. Allez, lâche-moi, je suis pas ta fille. C'est moi! Je suis plus punie, je suis de retour. Salut, Henry. Où est Ray? Il est allé capturer un mauvais éleveur de porcs. Avec Charlotte. Oh, j'en étais sûre! Vache, tiens! Henry, t'en voilà! Où est ton nouvel acolyte? Ah, tu veux dire Charlotte? Elle va bientôt arriver. Elle a été formidable tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Attends, je t'explique. On essayait de capturer un mauvais éleveur de porcs, mais le gars nous a vus, alors il a détalé comme un lapin. C'est pour ça qu'il fallait une vache. Tiens, je vais t'essuyer. Arrête, ça sert à rien. Pourquoi tu es aussi fumasse? Ce ne sont que des excréments et de la boue. Cette raison-là que je suis en boule, c'est parce qu'il y a un de mes amis qui m'a dit que je lui volais son travail et que je pouvais pas être une acolyte étant donné que je suis une fille. Ensuite, j'ai dit jeune femme. C'est pareil! Charlotte n'a pas essayé de voler ton travail. Alors que moi, oui. Je confirme. Je crois que, comme tu as chevauché un gros porc et tu as coincé cet éleveur... Tu es capable de faire mon travail. Merci. Mais j'ai pas envie de faire ton travail. Sérieux? Je te promets. J'ai pas envie de courir après des malfrats, des dangereux criminels. Je veux pas me battre et être toute seule. Moi, je veux bien. Chose! Alors? Tu me pardonnes? Je te pardonnerai quand on se sera fait une accolade. Non, s'il te plaît, non, arrête! Oui, toi, t'es vraiment un pote. Un vrai de vrai. Je vais aller prendre une douche.